Alors nous avons eu au cours de cet après-midi un exposé à la fois de l'INSEE sur les projections de la population à cette échéance, à l'échéance 2040 même, puisqu'on est au-delà 2020 et puis 2040, et nous voyons les évolutions de la population, avec quand même la satisfaction de savoir que dans tous les cas de figure, même le plus pessimiste, il y a un accroissement de la population permanent sur cette période, avec même un pic dans la première et une petite baisse à la seconde. Donc je crois que c'est là quand même quelque chose de tout à fait encourageant et tout à fait positif. On observerait, enfin le regain démographique qu'on observe depuis 20 ans devrait continuer, puisqu'on resterait à plus 0,6% de croissance annuelle moyenne de la population en Lozère à l'horizon 2040. La population va vieillir, donc les baby-boomers vont arriver après 60 ans, donc forcément la population lozérienne vieillira comme l'ensemble de la population française. Donc ce qui implique effectivement le problème comme enjeu fort, c'est la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Mais effectivement, la Lozère est plutôt à l'heure actuelle bien équipée pour accueillir ces lozériens dépendants. Cette démarche d'initier pour projeter la Lozère à l'horizon 2020 se veut une démarche très participative pour que nous partagions un certain nombre de décisions avec l'ensemble des acteurs du territoire, prendre les bonnes décisions, décider d'un certain nombre d'actions et de projets pour faire porter nos efforts, les efforts du Conseil général, les efforts financiers bien sûr, mais aussi en allant chercher des cofinancements auprès de l'État, de l'Europe et de la région, pour mener à bien l'ensemble de ces projets. Alors, la suite de la démarche, c'est une première série de réunions territoriales, donc à l'échelle des 5 bassins de vie de la Lozère. À la suite de cette première série de rencontres, il y aura 3 autres séries où on va approfondir, on va continuer à développer les travaux qui ont été réalisés. Et puis, également, il y aura d'autres formes de participation avec les agents du Conseil général, avec les jeunes scolaires, primaires, collégiens, lycéens, étudiants, sous la forme d'un concours photo. Il y aura des étudiants aussi en aménagement du territoire qui porteront un regard sur la Lozère et sur le développement du territoire. Plein de formes finalement qui vont avoir lieu tout au long du processus, avec aussi des groupes d'acteurs constitués qui pourront apporter des contributions. Toutes ces expressions-là seront possibles dans le cadre de Lozère 2020. Le but, c'est d'écouter et puis ensuite d'avoir un processus qui définit des axes, une stratégie, et ensuite qui se traduit en actes, en projets, en actions. Voilà, ça c'est l'objectif pour octobre 2013, le vote final de ce projet par le Conseil général.